dirons rien sur le film. Vous allez le découvrir. Je veux juste savoir qui vient au Rex pour la première fois de sa vie. Allez. Yes. Pas mal. Ouais, mais là, les gens qui font où sont en minorité. Donc, en fait, ils font pas où. Voilà, vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable. Ne soyons pas modestes ni humbles. Le Grand Rex est probablement l'une des plus belles salles du monde. Et ce sont les occasions vraiment fantastiques pour découvrir ce film que vous allez voir tout de suite. Voilà, je voudrais juste vous dire, avant que nous lancions la projection du Grand Large, que nous aurons regret de bien vouloir rendre vos lunettes quand vous partirez. Ne les gardez pas chez vous, ça ne grossit rien d'autre que les films, hein, messieurs. Voilà. Et puis... Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui comprennent et d'autres qui comprennent 30 secondes après. C'est très bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce film sort dans le monde entier vendredi, mais en France, Jean-François Camilleri et toute l'équipe de Disney se sont battus, puisqu'il s'agit de se battre, c'est le combat de la force, pour que les films qui sont en France sortent traditionnellement le mercredi, puissent bénéficier de cette sortie, et c'est la raison pour laquelle en France, et donc ce matin, vous êtes les premiers au monde à découvrir le film. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que la force soit avec vous. J'en ai la voix qui tremble de fébrilité. Voici pour vous Star Wars, le réveil de la force. Et nous allons remercier nos amis les journalistes. Maintenant, on va vous demander d'éteindre vos caméras et de sortir de la salle.